Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo Clash of Clans, je vous présente aujourd'hui un nouvel épisode de On Max l'HDV12 et ce sera probablement un des derniers, tout simplement parce que je suis quasiment max, mais qu'il ne me reste plus que quelques troupes, mes héros et encore ma reine est presque terminée, mon grand gardien est en train de passer niveau 40, il me restera encore quelques remparts, mais sinon voilà, tout est maxé, donc ce sera probablement l'un des derniers épisodes, pardon. Au programme aujourd'hui, on va quand même se faire du coup un niveau de reine, on va se faire également des petites troupes et on va charbonner les remparts. Vous voyez que j'ai masse ressources, on va tout mettre dans les remparts. Je vais également récupérer avec vous mes petites récompenses de jeu de clan. Donc je vous propose de commencer directement en se rendant directement dans le magasin de ligue. Donc je vais prendre pour commencer un petit marteau de héros, inutile de prendre un marteau de bâtiment ou etc. Tout simplement parce que je n'ai plus de bâtiment amélioré. Donc sans hésiter, on va le claquer sur la reine. On va donc la passer au niveau 64. Il me restera donc plus qu'un niveau. On va pouvoir le lancer ensemble avec mon élixir noir. Mais d'abord, je voudrais quand même réfléchir à ce que je peux faire si jamais je veux utiliser également l'élixir pour améliorer une troupe, etc. Donc je vais d'abord aller chercher. Non, je vais pas pouvoir tout prendre, il me semble. Le livre de combat, dans tous les cas, je pourrais pas le prendre. Donc en fait, on va commencer par se lancer une petite troupe dans le laboratoire. Donc là, les premières troupes, c'est volontaire, hein, si je les améliore pas, c'est parce que c'est des troupes que j'utilise pour farmer et j'ai pas nécessairement besoin d'avoir ces troupes-là d'un haut niveau. Donc soit je peux mettre les gargouilles, je peux également mettre le sort de poison, hein, très utile, même le sort de chauve-souris qui peut être pas mal. Ou alors j'ai les engins, en soi les engins, sachant que quand je les donne, ils gagnent en niveau pour mon clan, c'est pas forcément utile, hein, c'est comme si je les donnais au niveau max. Donc je pense pas mettre un engin. En revanche, je pense que je vais mettre un petit sort de poison. Je regarde juste si j'ai un livre pour pouvoir l'accélérer, parce que j'aimerais bien pouvoir lancer deux troupes. Donc ouais, qu'est-ce que je fais? C'est ici. Donc non, par contre, j'ai pas de livre de sort, j'ai qu'un livre de combat. Donc idéalement, je pense que le mieux, c'est que je lance tout simplement mes petits minions. Et après, du coup, il faut que je lance quelque chose qui coûte de l'élixir, sinon je vais pas pouvoir lancer ma reine. Déjà, attends, 180 000, ça fait qu'il me restera 210 000. 210 000, sachant qu'ici je peux avoir 21 000, en gros 26 000. Et la reine va être à 240 000. Ah ouais, même pour la reine, je vais être juste. Désolé, hein, je suis un peu désorganisé, j'ai pas hyper bien organisé l'épisode. Donc je pense qu'en fait, tout simplement, je vais balancer quelque chose comme le sort de chauve-souris. Au pire, je l'accélérerai pas. Ou alors, non, je vais lancer. Franchement, je vais lancer le sort de chauve-souris, je pense, c'est le meilleur choix. Et pas grave si on l'accélère pas. Ça me laissera suffisamment d'élixir pour lancer ma reine au niveau 65. Donc voilà, dernier niveau pour HDV12. Donc là, il me restera plus que mon roi et mes remparts. On va du coup se faire pas mal de petits remparts ensemble. On a quoi? On va pouvoir bientôt, je pense, aller choper les dernières récompenses. Donc là, je vais prendre ça, clairement. Ici, je vais prendre ça. Ici, je vais prendre ça. Dans l'élixir, il faut que je vide mon château de clan d'abord. Donc, tac. On va le vider comme ça. Voilà. Donc on va prendre du coup la potion de recherche, l'élixir noir, les gemmes. Ici, bah, je vais pas prendre de potion d'ouvrier du coup parce que bah, je peux plus faire travailler tous mes ouvriers. Ça c'était rune d'or d'ouvrier, village des ouvriers, honnêtement, je n'ai rien à faire. Je peux pas prendre non plus le livre de. Ah si, je peux prendre un livre de sort, je suis ouf. Et du coup, ah bah je vais pouvoir accélérer le sort du coup. Je vais pouvoir accélérer le sort. Je me disais bien que j'avais calculé de quoi faire. Et là du coup je vais prendre la rune d'élixir. Voilà, récupérer les récompenses, c'est parfait. Hop là, je prends toujours l'élixir noir parce que du coup, bah, j'ai plus besoin spécialement d'or, etc. Donc, on va pouvoir accélérer le sort avec notre petit livre. Et du coup, on va balancer quelque chose qui coûte, de l'élixir. Donc, je pense que je vais mettre ça. Voilà, le broyeur de pierre. Comme ça me permettra de donner tous les engins de combat au niveau max pour mon clan. Et du coup, maintenant, il est temps de balancer un max de remparts. Donc là, désolé si vous entendez un petit peu le bruit de clic de ma souris, parce que bah, je vais cliquer en chaîne, mais on va mettre masse rempart. J'ai également des petits anneaux de rempart à dépenser. Voilà, ouais, 5 millions de rempart, ça fait très mal, ça fait vraiment très mal. Mais bon, hein, de toute façon, j'ai aucune autre dépense à faire. Donc hop, on va utiliser les petits anneaux. Je sais plus combien j'en ai des anneaux, mais voilà, je vais avoir une rune. La rune, je vais également utiliser directement pour les remparts, hein. Donc là, déjà, élixir, c'est fini. Enfin, du coup, non, je vais pouvoir utiliser la rune dès maintenant. On va l'utiliser, paf. Rune d'élixir utilisée. Je trouve ça un peu dommage d'utiliser une rune pour l'élixir, mais de toute façon, je peux rien en faire d'autre. Donc voilà, je suis fixé à ce niveau-là. On va s'en mettre un petit dernier. Après, on va consommer l'or. Vous voyez que j'ai quand même bien avancé un niveau de l'or par rapport aux derniers épisodes. Mais voilà. Et sinon, je voulais une petite question par hasard. Je sais que pour passer les murs 14, donc moi je peux pas le faire parce que je suis à HDV12.
Mais je sais qu'on ne peut pas passer tous ces murs au niveau 14 quand on est HDV 12. Du coup, je voulais. Est-ce que vous savez pourquoi Supercell ne nous laisse, enfin Clash of Clans ne nous laisse pas monter tous nos murs niveau 14? Je crois que c'est limité à 200. Et je me suis toujours demandé pourquoi ils faisaient ça. Et du coup, je pense qu'il doit y avoir une raison. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis voilà, n'oubliez pas également de vous abonner si vous découvrez la chaîne sur cette vidéo. N'oubliez pas également de me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et donnez-moi vos retours en commentaire. Et puis je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo, on a fait pas mal de petites améliorations. Je pense que le prochain épisode, ça sera le passage HDV 13 en live. J'aurai probablement fini mes remparts. Mon roi, il sera peut-être pas complètement max. À vrai dire, c'est pas très très grave, hein. J'aurai tous mes bâtiments max, sauf le roi, c'est pas très très grave. Je sais que c'est mieux de le faire avant. Mais bon, en soi, le jeu, bon, ça reste un plaisir, tu vois. Je joue pas ma vie dans le jeu, donc c'est pas très grave si mon roi n'est pas complètement maxé. Ah, on va pouvoir se mettre. Ah non, on va rien pouvoir se mettre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Clash Max, j'espère que cet épisode vous aura plu. Allez, ciao tout le monde.